Ah Merde. oui, rebonsoir YouTube. Bonjour ton tube. Salut ton tube. Ah, les fantômes sont en train de se battre contre le capitaine. Contre ouais. le capitaine Flygy. Bon, tant mieux, on va les laisser stop. Non, non. Oh non, c'est mon capitaine, dedans, capitaine. Hein. Non, c'est un coffre-boîte. Si, ok, bah, je suis en train de tant faire mieux. Le tour sous l'eau. On a besoin de coffre-boîte. Oh, de la crypto-monnaie. Ça, ça fait plaisir. Vous allez récupérer une carte au trésor pour normalement cette île. Ouais. Donc soyez vigilants. J'ai le truc du cartographe ici. Hein. Lire les étoiles vous guidera, machin, blablabla. Hein. La quête. La quête, hein. D'accord. Ah bah, la quête. Il y a quand même un coffre antique à récupérer sur cette île. Ouais, super. Pas de problème, moi. Je m'occupe du crâne qu'on vient de récupérer. Du crâne qu'on vient de récupérer. Très bien. Ça. Très bien. Qu'on vient de choper de l'ordre de squelette là. Ouais, donc la quête, le truc est creusé quoi. Ah non, mais on a rien. Si. Bah non, on a plus, je viens de la creuser. Ok. Par contre, il y a un quinquin qui s'est invité. Ouais, c'est normal, il y en a un dans l'eau. Un coffre de capitaine. Voilà. Y'a plus de quinquin dans l'eau. Oh, c'est vrai qu'il a une sale gueule le bâtard. Ça va. C'est dommage qu'on puisse pas remettre un petit coup de peinture quand tu passes à un avant-poste parce qu'il a vraiment une sale tronche. Mais tu peux payer pour le faire retaper par contre. Ouais, ça je sais. Ouais, ça c'est tellement l'escroquerie, tu fais, mais attends, tous les navires d'avant on en avait rien à foutre. Ouais, mais celui-là c'est ton bateau. Donc Coco, tu payes. C'est ça. T'as rien trouvé autour par Z? Non. Ok, bah écoute, hein. On va sortir la pelle et puis on va creuser un peu. Hein. Question con, il serait pas sous la longue vue? Ah, d'accord. Comment tout tu l'as est dans le. Tout est dit en fait. Ah bon? Il y a quoi qui est dit? T'as tapé. Relis bien. Est-ce que t'as déterré au hasard ou est-ce que t'as trouvé vraiment? Non, j'ai vraiment trouvé. Ah, près d'une lanterne suspendue, je l'ai lu tout à l'heure. Voilà. Ça fait plaisir, hein, ça régale. Hein. Elle est bien en plus cette quête, hein, profitez-en. Hein. Pour ça YouTube que je te montre rien, que je fais rien. Hein. Parce qu'elle est bien cette quête. Profites-en, fais-la, réfléchis. Utilise tes neurones. Tu ne joues pas au deuxième pire jeu de l'humanité. Wouah! Eh ouais, c'est ça que Comment je cherchais à voir tout à l'heure. De quoi? C'est ça que je cherchais. Quand tu regardes les étoiles avec la longue vue, ah, oui. Tu vois les constellations. Oui, c'est beau. C'est le monsieur. C'est classe. Hein. Ah ouais. Ah, ça te vend bien le jeu à ce moment-là. Hein. Ah, carrément. Oh. Ah, c'est vendeur. Hein. Oh, YouTube, vous voulez que je vous montre ça. Hein. Bon, vous l'avez déjà vu 100 fois sur plein d'autres streams, mais oh, je vais vous montrer ça, ça me fait plaisir. Hop, elle est dans les objets de quête. Hein. Ouais. Voilà, on voit les petites constellations et tout. En gros. Alors que normalement, on les voit comme ça. Et là, quand on reste dessus. Donc il faut qu'on trouve l'ours, la flèche d'obsidienne, le vieux sanglier, le bateau à quoi? Le bateau à résine. J'ai la flèche. Le crabe. Le crabe j'ai trouvé. J'ai l'oiseau. Le poisson tu l'as trouvé, l'aigle fier on l'a. La plume dorée. Qu'est-ce que tu nous as trouvé toi? Le kraken j'ai vu que tu l'avais chopé il me semble. Ouais. Bah de toute façon on regarde tout hein. Ouais c'est ça. Normalement, une fois que tu les as regardés, elle reste. Là, j'ai un genre de feu. Il y en a dans la tempête aussi. Là, j'ai l'ours. La guette de plume. Et voilà. Bref, il y a des tas de choses à faire. Mais je vais vous laisser faire ça. Oh non, le jour se lève. Ouais.
T'as dit qu'il fallait trouver quoi? Le scarabée? Bah tout quoi. Ça y est, j'ai tout trouvé. L'atterrissage du grand aigle. On dit que le grand aigle n'a jamais atterri. Celui qui a été le témoin doit avoir fait une sacrée offrande. Ce doit être Lonely Eyes. Donc là, il faut aller sur Lonely Hill. Auprès de la statue du pigeon, là. De l'aigle. Par exemple. D'accord. Vous avez fait ça, non? Comment? Ah non, ça, vous l'avez déjà fait, non? Peut-être. Non, ah non, fait. Non, du tout. Ça c'est moi. Non, là on vient de les récupérer. Ah merde, donc je suis en train de vous donner les astuces. Excusez-moi, je ne fais plus rien. Désolé. Je vous pourris votre quête. Désolé. Non, au contraire. Non, il faut pas. Démerdez-vous. Jamais ça, celui qui a été. Vous savez que pour moi et Arthur, je crois, c'est Arthur et moi qu'on avons fait ça. C'est notre quête la plus longue. C'est notre fable la plus longue. Ah ouais. Et encore, c'est Arthur qui a utilisé tous ses noms parce que moi je suis en train de pêcher comme un débilus. Bar à gauche, jusqu'à pour le Lonely Isle. Bah, tourne pas et tout de suite à gauche. D'ailleurs, en parlant de pêcher comme un débileux... Ah, attendez, il y a des gens à tuer. Ils ont peut-être de la crypto-monnaie. C'est peut-être des potes à Fanta. Enfin, deux Fanta, parce que bon, normalement, on parle français. Est-ce que vous avez du crypto-bif, monsieur? Crypto-bif? Crypto-bif? Que le B c'est pas pour Bitcoin, c'est pour bif. Merde. Quelqu'un peut me grabiner? S'il vous plaît. À gauche, à droite, enfin va à gauche. Hop là. Ouais voilà, l'autre gauche quoi. Enfin de l'autre droite quoi. Ah va pas plus toi de là. Ah ouais voilà c'est ça. Oh ouais, hey, démerde-toi hein. Ah je rigole. Ah mais il est vide ce coffre antique. Bah je viens de le pécho frérot. Excusez-moi, je me rappelle vraiment que de la fin de la quête. On est comment? Tu passes entre les deux cailloux là, que tu vois pas le gros. Tu prends les deux petits, tu vas dedans et après les tu deux... te décales légèrement sur la gauche. Entre celui qui est devant le harpon et celui de droite. Ouais. Ah, excusez-moi, je vais en profiter pour pêcher et ne rien faire pendant ce temps-là. Longe le caillou de droite. Le caillou de tout droite? Tout droite? Je voudrais pas celui qui, celui qui est en face là, tu le longes. Oui, mais en passant par sa droite ou sa gauche? En passant par sa gauche. Ah, sinon il y en a un, il va péter les plombs là. Ah, j'écoutais, je tendais l'oreille. Ah, oui. Parce que je t'avais entendu sourire bêtement, je me suis dit, est-ce qu'il va me troller là? Capi, pouvez-vous mettre à l'avant du bateau? Faut que la réponse est non. Tiens, regarde. Oui, ou à la vigie si tu veux, ça me va aussi. Ah mais moi je vais faire comme toi, je vais regarder à l'opposé de là où je dois regarder. C'est une saloperie. Eh, je me mets pas à l'opposé où je dois regarder moi. Quoi? Il dit ça la dernière fois là, YouTube t'as raté un truc incroyable, parce que je crois qu'on l'a même pas enregistré pour YouTube, genre en loose day le soir, vite fait là. Avec ta quête de bateau trop dur, comment je t'ai géré le navire tout seul. T'étais bien hein. Ah, moi j'ai besoin de personne pour gérer le bateau. Bien salaud hein. Allez, là il dit plus rien, là il se tait hein. C'est qu'il a tort. C'est le machin qui est devant nous? Ouais c'est ça, c'est la petite île qui est devant nous. Ouais. Excellent. Eh ouais, ah. Il va fermer sa gueule lui. Silence Michel. Non moi c'est pas Michel moi, c'est Poulette. Et pas à d'abord! Voilà, ça fait plaisir. Ouais, non, mais la distance, Michel, est oh, quand même! Moi, j'y vais à la nage, hein, si vous voulez. Ah, si tu veux, hein, tu peux y aller à la nage et revenir, on va s'arrêter sur l'île qui arrive là. Et on a quoi à faire ici? Ah, c'est pas, la... c'est pas là où il y a les trois coffres à déterrer? On dit que le grand aigle n'a jamais atterri, celui qui en a été témoin doit avoir fait une sacrée offrande, ce doit être Lonely Isle. Ah, ok, d'accord. Bah, faut creuser sous le piou-piou, mais alors il est où le piou-piou là-dedans? Piou-piou! Mais c'est pas Lonely Isle ça, si? Bah, il me semble bien que c'est. T'es sûr? T'es sûr que t'es pas en train d'essayer de nous escroquer là?
Bah c'est pas moi qui ai mis le point sur la carte donc Quoi ? Ouais, c'est pas moi non plus hein. Ah ouais, c'est oh, le tellement smicé. Ah merde. Écoute, je voulais je dire mais c'est ce que t'as entendu YouTube. Oh, genre ton tube, il a une sensibilité ton tube. Ah, il y a un demi-morceau de requin croqué là-dedans. Sans savoir à qui il est ce morceau. Cramé surtout. mais il y a pas de pupu sur ce putain d'île. Pas un gros amas rocheux. Ah, bah là où t'es, c'est pas si, vraiment un gros amas rocheux, ça. Hein. Moi, je vois pas de pupu ou quoi. C'est pas notre île, je crois. Hein. Ouais, mais il dit ça doit être Lonely Isle. C'est vrai ou alors, vous seriez des génies. Pourquoi ? Genre, par exemple, vous aurez donné un objet qui vous permet de voir des choses dans le ciel, qui vous dirait, tiens, aigle, peut-être, je ne sais pas. Bah oui, on l'a vu, mais... Et donc, il, à partir de Lonely Isle. Ah, il était dans la tempête tout à l'heure, le pigeon. Le pigeon ou Yankli ? On sait pas. Non, ça c'est un kraken, on s'en fout. Il est là le pigeon, il est en pleine tempête. Et quelle est l'île qui est dans cette direction? Bah, pour moi, il n'y a pas d'île, il y a un gros caillou, Michel Anzo. Non, mais derrière. Sinon, regarde, si tu vois pas, tu prends l'azimut et après tu regardes sur la carte. Genre, donne-moi un azimut. Nord-nord-ouest. Nord-nord-ouest. Nord-ouest. Nord-nord-ouest ou nord-ouest? Ouais. Nord-nord-ouest. Nord-nord-ouest. C'est bizarre comme azimut. Bah, c'est entre nord-ouest et nord. Là, c'est nord-nord-ouest. Notre direction, c'est probablement Boulder Cay ou Smuggler Bay. Voilà. C'est bien comme. Enfin, c'est des noms à vomir, spécifiquement. Ah putain, oui, d'accord. Ça doit être Boulder Meko, il a vu la taille du machin. C'est donc bah nord-nord-ouest, je crois. Tu peux me redire les îles, Knarfang? Je les ai entourés sur la carte. Smuggler Meikouille ou. Boulder Cay et Smuggler Bay. Mais ça m'étonnerait parce que normalement c'est pas des petites îles. Hein. Michel, tu montes sur le bateau? Ce serait pas. Et si on essayait Lonkov plutôt? Pourquoi Lonkov? Bah l'atterrissage du Grand Aigle. Bah en fait le truc c'est que c'est pas nord-nord-ouest, c'est plutôt nord-nord-est voire voilà, nord-est. C'est nord-est. Hein. Oui, je suis là. Bah oui, je suis d'accord. Et pendant mais moi, ce temps-là, on fait pas le souffle de la mer. Hein. Moi, je vous déteste, hein, vraiment. Parce que nous, on est bien d'accord. C'est l'atterrissage du Grand Aigle, là. L'atterrissage du Grand Aigle. Ouais. Donc, l'atterrissage du Grand Aigle, c'était Lonkov. Et tu sais ça comment? Mais à ton avis? Google. En regardant les étoiles? Non, non, en regardant Google. Du bateau, en regardant le machin, il affiche bien nord-ouest. Hein. Donc nord-est, je veux bien tenter, mais... Bah vas-y, essayons. T'es monté dessus? T'es monté dessus. Allez, roule. Alors attends, j'aimerais voir ce que vous dites. Le nord-machin, c'est où? Il me dit c'est nord-nord-ouest, donc c'est dans la tempête. In tout en pétasse, c'est ça? Ya. Yeah. Non, c'est nord-nord-est. Faut qu'on aille à Lonkov. Ok, donc. Est-ce qu'on peut arrêter de tourner 2 secondes? C'est possible ou pas? Répondez pas tous en même temps, dites-moi oui. Bah, moi je sais pas, je suis en bas. C'est pas moi qui conduis. Tu te démerdes avec celui qui est au volant. Ah, le pigeon il est à nord-nord-est.
Nord-nord-ouest. Ouais, mais il faut qu'on aille nord-nord-est. D'accord. Bah nord-nord-est. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on cherche? Qu'est-ce qu'il y a au nord-nord-est qui nous intéresse? Landcove. Non mais... Et moi, sur mon Sea non, of mais... Wiki... Non, mais ta gueule, c'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est l'explication. J'en ai rien à foutre que tu sois débile. Ce qui m'intéresse, c'est la raison intelligente d'y aller, en fait. J'ai compris que t'étais idiot. Oh, est-ce qu'il y a une raison logique à ça dans ton bouquin? Est-ce que tu trouves l'explication et la logique ou tu vas être obligé de faire toute ta quête en wiki? Alors attends. Ce que je veux dire. L'uncove, c'est le caillou qu'on a devant, on est d'accord? Ouais. Non, j'allais dire je le vois parce que sur l'image il y a une sirène, sauf que bah en fait non, parce que quand tu pointes l'uncove, tu as un sanglier. Elle est où la sirène? Ça c'est le crabe, ça c'est le scarabée. Elle ressemble à quoi la sirène, mon cher Capi? Ah, ça, ok. Et que la seule île où il y ait un aigle dessus, c'est Landcove. Elle est où cette putain de sirène dans celle de mes couilles? Non, ça c'est une fucking flèche. C'est un bateau. Ça c'est le fucking aigle de merde. Ah mais ça va être l'heure en plus où je vous abandonne. C'est incroyable ça. Ouais, c'est bah moi incroyable. C'est pareil, il va falloir que je bouge pour 13h, faut que je sois parti. Et on est censé chercher quoi, un piou-piou? Ouais. Laser. Un piou-piou laser. Piou-piou! Il y a un truc vert qui brille là où je suis. C'est un crâne. Il y a une chaloupe.
Une caisse de boulets complète. J'ai un coffre. Là, t'es vers le bateau, j'allais dire viens au pire. Non, laisse-moi ma... il me faut ma boussole, bâtard. Passe, Martine, passe! Ah, il passe! Putain, j'ai coincé la choupe. Je peux pas pousser la chaloupe, je l'ai coincé. Non, c'est bon. Vous avez trouvé le zozio ou pas? J'ai un capi là où je suis. Je cherche. On n'a jamais atterri. Nord-nord-est. Trouver l'entrée de la... On est sur l'Uncove là? Non, on n'est pas sur l'Uncove. Si? Oui. Trouver l'entrée de la grotte côtière au nord et notez bien, vous devrez lire sur parchemin. Bah si tu passes au nord devant une grotte, tu peux lire le parchemin. Ouais, ça marche. Non, mais sinon j'y vais. Hein. Vas-y, moi je suis en train de ramener une chaloupe. Je vois où c'est donc... J'y vais. Ouais, j'ai entendu. J'accroche la chaloupe et je regarde c'est quoi la suite. La suite, c'est découvrir le sentier rocailleux descendant sur la plage nord-est. Sur cette île, éclairer l'endroit d'une main habile. Ouais, je peux pas accrocher la chaloupe. Mais je veux accrocher la chaloupe! Parce que le jeu n'est pas coopératif. Putain.
Faut j'ai une caisse de boulet sur le... Sachida, est-ce que tu peux me harponner... Oui, je t'ai vu arriver. T'es au où moins la boîte à coffre, là. La boîte à loot. Merci. Non. Non, c'est bon, je l'ai. Et pendant ce temps, parti, il se fait des petites côtes de porc grillé. Je crois que je le vois pas en train de te faire un petit barbecue là. Alors, le petit sentier de la plage. Sentier de la plage, le petit sentier de la plage par là. Into. Il est si loin que ça? Bah, nord-est, c'est tout à l'opposé de là où on est. Non, mais là, je vais vers le sud, c'est plus bon là. Là, on est plus bon, puis il n'y a plus de sentier. Ah, par contre, il y a un baril de poudre. Bah, si, ça doit être là où tu dois être. Au nord-est. Ouais, mais la seule plage que je vois, c'est ce sentier-là. Ah, ah bah d'accord, c'est ah, celui-là. C'est ce que j'allais dire, c'est celui-là. Il est pas très au nord-est, hein. Il est plus bon au mid, à l'est. La tout tombe de l'amateur de Rome, près du grand rocher central. Ouais. Il faut faire quoi? Aïe. Faire 6 pas au nord-nord-est et laisser parler la pelle. 6 pas au nord-nord-est. Alors, notre petit colbon. C'est juste à ta droite. Juste à ma droite. Voir là où je suis. Que j'y vois rien parce que je viens de me faire piquer par un fucking putain de serpent. Ouais, mais faut trouver la tombe de notre pickle boy. Bah, ça semble bien une tombe, hein. Oui, oui, une tombe avec normalement des tailles. Des tailles. Bah, là. Bon, tu l'as ? Parce que... bah, oui. Ah bah oui, parfait, c'est ça. C'est par nord-nord-est. Bah, moi je dis c'est là. Ah ah ! Bien vu. Un coffre boîte. Ah, ah non, un cendré. Un cendré. Qui est un coffre boîte aussi, mais cendré. Bon bah il y aura deux clés à acheter. Tu as trouvé ton pigeon, toi? Non. Oh, ça y est, ça commence avec l'invasion. J'ai trouvé un coffre, ça pop de tous les côtés. Ouais. On va s'éloigner d'abord. Parce que je connais la chanson, je suis trop près, boum, je suis mort. Youh. Alors là, maintenant, je suis un peu loin. Là, ça fait boum. Ça y est, je viens de comprendre, putain. Ah, je viens de comprendre, ça perd l'hypopète. Et j'ai entendu. Donc j'ai compris la logique de pourquoi Lone Cove, ça y est. Et donc, la logique est... Regarde sur le cahier, il y a une putain de sirène au milieu. C'est pas l'aigle qu'il faut suivre, c'est la sirène. La sirène nous emmène bien sur Lone Cove, donc jusque là on est bon. Il faut chercher la constellation de l'aigle qui doit être sur le grand rocher au centre de l'île. Pour cela, positionnez-vous au sud-est du rocher et déplacez-vous jusqu'à ce que l'aigle semble posé sur le rocher. Creusez pour obtenir votre rubis. Bah voilà. C'est clair, non ? Putain de rocher, on y était en plus. C'est limpide. Il est facile ce jeu. Il faut juste pas être trop con. J'ai dit quoi?
Positionné au sud-est du rocher. Bah normalement on est au sud-est. Ah non, je suis pas au sud-est. Là je suis au sud-est. Pour que la constellation soit avec le machin dessus. Alors. Aïe, fils de pute. Eh ben, je l'ai. Voilà, mission, on creuse là. Voilà, trouvé. Nice. Que bon, si on attendait parti, on y était encore pendant longtemps là. Je t'avoue que vu comment c'est donné, de toute façon, c'est. C'est très tordu. C'est quoi l'île suivante? Oula, c'est quoi ça? L'île du charmeur. Disait l'île du charmeur. Discovery. Je vous ai perdu ou quoi là? On a grandi. Poisson éclat, l'homme s'éveille dans ses pierres, il parle à autrui, redoutant le jour suivant. Hein? Jour de l'homme. Le trône du poisson éclat, s'agit-il bon, de ce vieux monument dédié au poisson sur Discovery? Sur la grande île, au trône du poisson éclat, l'homme éveille dans sa pierre, sans sa pierre, il parle à retrouver, redoutant le jour suivant. C'est une énigme. Mais oui, il faut bien se rendre à Discovery, visiblement. Commençons par là. Ou alors on peut lire la suite. Mais de toute façon, il faut partir de Discovery pour trouver où on va. Tiens, un autre mettra l'homme sur la voie. Tant de choses très complexes et compliquées qu'il reste à expliquer. Un sloop devant nous à droite. Oula. T'es cassé le monsieur. Mais là un peu plus devant. Ah non, même pas. Non, j'ai rien dit. Parce qu'on va voir le vent de face. Ouais, je l'ai vu, t'inquiète, je suis sur une forteresse. C'est en haut, à gauche, il faut qu'on aille. J'ai une vague impression. Pardi, tu peux dire fromage, s'il te plaît? Est-ce qu'il vient de dire fromage, là? Non. Ah. J'ai l'impression que je l'entends plus. Enfin, un moment que je l'entends pas, en fait. Je suis à la flotte. Oui, on a vu ça. YouTube l'a vu, hein. YouTube te juge. Sache que YouTube a tout vu. Ah ouais, non, YouTube mais est témoin. Allez, petite sirène. Malheureusement, YouTube, j'ai des contraintes professionnelles et
Je crois bien que ça va nous porter préjudice pour la fin de cette quête. J'ai l'impression que nous n'aurons pas ce que nous voulons. Et pourtant, nous le voulons. La Kavaka, non. Il y a une autre chaloupe dessus. Jolie caisse d'épices en plus dessus. Celui-là. Oui, il y a surtout un capi. Plus haut. Shooté. Oh. Oh. Tête. C'est joli, ma belle. Merci. Oh putain, on a une quête. Trouver l'aventurier en palais au sud-est. Il y a des choses intéressantes dans cette barquelette. Hein. Sud-est, tu y es normalement. Enfin, vous y êtes. Et on cherche quoi au sud-est? L'aventurier en palais. Cherche un mec en palais. Hein. Oh, une autre boîte. Je vais pouvoir vider tout le contenu de la chaloupe dedans. Ça, on n'aura plus qu'à harponner son contenu. Prendre tout ce qu'il y a dedans. Voilà. Ça a l'air d'être une suite de la chaloupe abandonnée sur le littoral nord-est, nord-ouest, pardon. Il faut faire de la zizique. Ah, allons souquer les Artimus. Au nord-ouest. Ouais, allons jouer du crin-crin. Ouais, chaloupe abandonnée. Par-y là. Par-y tiè. Ouais. Il vous fait un petit son. Oh, il a trouvé un migrog. Au livre interdit, là où les étoiles se cachent, à 9 pas au sud de sud-ouest, sous terre mon or s'entasse. Sud-sud-est. Oui, sud-sud-est, pardon. Au livre interdit, là où les étoiles se cachent. Je dirais grotte. Je vais check grotte. Ah, mais il y a je des vous livres plus, interdits là-dedans. S'il y a des livres, hein. Je vous préviens qu'ils sont interdits. Hein. Ah oh. C'est bon ça. Bah là où se cachent les étoiles. Ça peut être que dans la grotte. GG Parzi. Il a trouvé des trucs. Coffre boîte. Mais il a trouvé. Ah bah oui, les livres de l'hôtel, oui, parce que j'étais obnubilé par le fait que j'avais trouvé moi-même un coffre boîte mais vide. Bon. Bah on mène hein. Toujours ça hein. Pareil, hein, même principe, hein, je fous tout sur la chaloupe. Hein. Vas-y, vas-y, moi je suis toujours sur l'île pour l'instant. Hop là. Non. Du coup, faut que je mette tout dans la caisse de stockage. Sauf le poisson, bien sûr. Le tube le sait. Je vais témoin. Et après, c'est votre quête nulle. Votre fable. Hello. Voilà. Comment tu parles de notre quête? Elle est longue, elle est bien, mais elle est longue. Alors, là, fallait prévoir une journée sur ce truc-là. C'est un ah enfer. Ah bah, peut pas savoir, mon ami. Hein. Et si, il fallait demander, vous l'auriez su. Ouais, mais t'étais pas là. Ouais, il fallait demander avant de démarrer, il fallait prévoir. T'es arrivé avec une demi-heure de retard, hein, donc... Waouh, wow, t'es là de bonne heure.
Ah merde, on a déjà une chaloupe, c'est pour ça. Bah oui, on a déjà une chaloupe. Excusez-moi, monsieur. Je sais que c'était pas contre vous. Mais... Je tape vraiment trop bas, là. Bon, t'inquiète, il nous la ramène. Il nous attache celle qu'on avait. Mais bon, il veut plus nous parler. Alors qu'il devrait pas, hein, parce que celle-là, elle est déglingosse. Hein. Elle est déglingueille. Alors, nous disons qu'il y a un discovery. Bah, normalement, on pointe toujours dans la bonne direction, parce qu'on n'a pas tourné. Par contre, on a un petit stockage maintenant, là. Je dis que ça, hein. Là, on peut commencer bon, à discuter. Arrivé. On a des arguments. On a cette planche pour faire le dévil. Et ça, c'est ouais, bien. Génial. On va tout sauf dans le dévil, mais ouais. Il sera un peu une idée débile. Parce que c'est dans le dévil. Lol, j'adore lire. Donc, ça, c'est le coffre-boîte qu'il a trouvé. Pouf pouf. Ça, c'est le coffre-boîte. Hop, hop, on est en train de s'en occuper. Il va nous charger ça. Oh, la quantité de coffre-boîte qu'on a! Ouais, on est pas mal, hein. C'est pour ça qu'on m'a dit: oui, t'as tout vendu, par la peau du cul. Bref, j'ai pas compris, mais. Ok. Je nous mets ça dans nos boîtes, hein. On en aura pas besoin. Je sais que vous allez me détester pour ça, mais tant pis. Pas besoin de direction, je sais où je vais. Passe à gauche de l'île qui est face à nous et après plein sud. Voilà. Parfait. Impeccable. Je vous laisse divertir YouTube. Hein. Leur expliquer des trucs. Je vais faire d'autres trucs. Genre me préparer à aller bosser par exemple. Avant d'être méga en retard. Attendez, j'essaie d'utiliser mes neurones. Fais gaffe, ça va donner mal à la tête. Lâche la longueur de voile. C'est quoi ce bruit? Qu'est-ce qui va nous tomber sur la gueule encore? Ah putain, on est à côté de l'île du boss. Tu veux te le faire? Mets-toi à droite plutôt, hein. Là tout droit quoi, on va le ramener sur la plage.
J'ai... Ramène ta science. Ah, j'ai plus de munitions. Ah putain, c'est vrai qu'il va tirer sur le battle, c'est moche. Aïe. Ah, il manquait plus que toi. Fais gaffe, il risque de te prendre en aggro. Oh putain, mais... Ah! J'ai les sbires avec moi. Tu vas prendre un boulet. Je vois pas où je suis avec ces trucs. Ça va être pour ma gueule, ça. De pute. Eh oh, tu vas laisser le bateau, toi? Oh putain, je suis morte. Tu touches, vas-y. Hein. On l'a achevé ? Ah non. Oula.
Mais il y a encore un autre trou. Oula. Oh, va falloir que je descende pour l'attaquer à... au sol. Oh, les trous qu'on a. Avance, bouge le bateau, bouge le bateau. Non, j'ai plus de planche. Putain, et moi je jette les seaux d'eau dans le bateau. Là, tout ce que je répare, en fait, il le pète. Fais le tour de l'île pour arriver de l'autre côté sur l'autre plage. On va aller remettre une couche de l'autre côté. Mais ça se remplit vite! Ah non, maintenant c'est l'île qui nous canarde. Oh, ça c'est pas une île, ça c'est un bateau. Cours, cours, enfin cours, puis... puis ça touche pas. Ouais, bon, on a compris, on va pas le faire, le... Le boss parti comme ça. C'est bon, normalement, il n'y a plus de trou. Si, il reste un trou. Là. Hey, ouvre-moi ça, merci. Il y a encore un trou, mais je sais pas où. Là, derrière les coffres. Pour l'instant, il nous chasse. Je suppose qu'on est. Oh putain. En plus, c'est celui qui est chargé comme un mulet là. Alors ça dépend ce que tu veux faire. Soit tu veux un avant-poste, il y en a un, mais c'est pas la peine pour l'instant, celui-là est trop près. Sinon, Discovery Ridge, là où on doit aller, plein sud. Et il y a l'avant-poste Plunder sud-est. Ça y est, nous foutre la paix. Ok. Je sais pas ce qu'on a à vendre en fait. Il y a quand même quelques trucs à vendre. Tous les coffres boîtes qui sont fermés, ça veut dire qu'ils sont pleins.
Ah, t'y retournes ? Ah ! Bonjour monsieur à gauche. Je crois pas qu'ils ont, ils nous ont vu arriver, je crois qu'ils sont en train de tirer sur le boss. Ah si, ça y est, ils nous ont vu. Jamais ça touche. Il y en a un de nous deux qui a touché. Ah oh, putain, j'ai plus de boulet. Ah ! Elle est où la caisse de boulet ? C'est quoi ça ? Ah ! Sait-on jamais ? Allez, on va dire que ça peut toucher. À droite. Assez loin. Un poil plus à gauche quand tu tires. Ah, ils essayent aussi de notre côté. Oula. Ah bah dis donc, ça a mal tourné votre histoire ou quoi ? Bah en fait, on s'est arrêté en chemin pour faire un boss et en fait, il y a un galion qui a notre cul. Ah. Enfin, y a un galion qui s'est dit, on va leur péter le cul, et bah apparemment Pardy s'est dit qu'il allait le faire chier. D'accord. Des joueurs, je suppose. Ouais. Et on entend toujours pas Pardy, il est bugué ou c'est moi qui suis bugué ? Non, on entend toujours pas Pardy, donc je t'avoue que je me débrouille pour essayer de comprendre ce qu'il veut qu'on fasse. Pardy, tu es un connard, Harry. Non, on prend l'eau. Je vous emmerde. D'accord. Moi aussi, je pense que tu es une... un galion de quoi ? Joueur, Ouais, c'est un galion joueur, 5 étoiles la faucheuse. Oh oui, c'est des emmerdeurs. Pourquoi l'eau est bouillante ici ? Parce qu'il y a un boss sur l'eau, sur l'île. Il y a un boss de flamme sur l'île. À la base, c'est ce qu'on était parti faire, on s'en sortait bien jusqu'à ce qu'il y ait un... Je crois qu'il est mort, votre boss, hein. Non, non, tant qu'il y a la musique et la tornade, il est toujours là, le boss. Bah ouais, mais il y a plus l'eau bouillante. Oui, non, mais c'est qu'il attaque de temps en temps. Non, ça, c'est pas un boulet, ça. Ah putain, j'ai plus l'angle. Non, mais... Il est là-bas, le boss, je le vois. Ils sont en train de se placer pour lui tirer dessus. Ouais, j'ai vu, il est en train de tourner. Non, il est en train de tourner pour nous, là. J'ai pas l'angle, j'ai l'angle. Plus haut, je suppose, beaucoup plus haut. Ah oui, putain, j'ai plus de ballon. Mais ils essaient de vous faire la guerre et pas au boss ? Bah ouais. À la base, je pense qu'ils veulent récupérer le boss, mais c'est qu'ils sont en train de nous faire chier nous. Ah mais putain ! Après, tant mieux, il est en train d'arroser leur navire. Hein. Ah non, il y a un gars sur l'île pour faire le boss. Ouais, bah oui. Ah, c'est l'équipe Tromblon, hein. Aucune chance qu'on gagne contre eux. Hein. J'espère qu'on n'a pas de loot. Bah, si. Un peu. Bah, si je serais toi, je me casserais parce qu'en fait, ils sont immobilisés à côté du boss. Hein. T'aurais pas dû aller les chercher là. T'aurais dû finir ton tour de l'île et te tirer. Ce qu'ils veulent, c'est le boss. T'as décidé de les faire chier, donc on va perdre tout le loot. Excellent. Mais pourquoi on avance plus là ? Bah, c'est parce que. Est-ce qu'on prend des coups de canon, ce que j'entends ?
Se fait démonter. C'est ça? Ah ouais. Je suis à l'arrêt pas, hein. Et je suis au raise. Par contre, le niveau de l'eau monte un peu vite. T'inquiète, je suis là, merci. C'est juste que je suis parti le raise, donc... Je suis plus au bateau. Je viens de prendre un boulet qui m'a fait voler. Ouais, merci, bon. je peux écoper le reste, t'inquiète. Ah putain, je voulais essayer de tirer des balles. Tirons-nous d'ici là, au lieu de chercher la merde là. Allons, on va encaisser notre loot là. Allez, on va encaisser notre loot et on se casse. Eh ouais. T'es un fou malade. Eux, ils s'en foutent, ils sont là pour le boss là. Bah, c'est ce que je voulais faire moi à la base. Hein. Ouais, bah, on s'en fout de ton boss. Tu fais pas un versus Galion avec un membre d'équipage en moins? Bah, si. T'es, ils sont 4 là-dessus potentiellement. Toi, tu te fais un petit. On a bien coulé un brig, non c'est un brig ou c'est un sloop qu'on avait, un brig ou un gal qu'on avait coulé? Non c'est un galion que j'ai éclaté avec un sloop. Ouais c'est ça. Ouais mais en sloop t'es ultra maniable. Tu vois en fait en sloop c'est qui tout double. Là non pas vraiment. Là il y a nos matchs, là t'es deux, ils sont quatre, ils sont chauds, ils sont préparés, ils sont en plein combat. Mauvaise idée. C'est le Empereur, la terreur légendaire, par Aléron DX. Ah donc du coup, nous on fait quoi? On va à un avant-poste là, c'est ça? Ouais. Bah déjà vendre notre merdier, hein, parce que moi à un moment donné je vais aller travailler les gars. Après vous continuez si vous voulez continuer, mais moi il faut que j'aille bosser. Non, moi 13h faut que je sois parti. Hein. Ah, on a le joyau de l'étoile, ah ouais en plus c'est dommage, hein, votre quête elle est pas finie. Ah mais du coup ça a sauvegardé. On a le checkpoint. Normalement, quand on repop, on l'aura. Est-ce que je peux avoir quelqu'un sur les vols, s'il vous plaît? Ikepi. Non, derrière, c'est fait. T'as dit les voiles. Ça, c'est la longueur. Mais putain, lâche la longueur de voile, Michel. Si tu trouves un pêcheur, ça serait pas inintéressant non plus. Hein. Y'en a pas un sur la route là? Si, juste devant à gauche. Ah non! Ah, c'est bon, c'est un méga. Devant à gauche. Juste devant à gauche. Ah oui, parfait. Je vais descendre. En zoom, on a quelques prises intéressantes. À gauche du truc là. Ah t'inquiète. Ah oui tiens moi j'ai récupéré ça. Ou à droite ça, en vrai hein, je m'en fous hein, pour le peu de distance que j'ai à faire. Il a une flamme bleue. On voit le dans le vent à l'avant. Dommage. En fait trop rapide du coup ça m'a propulsé genre trop loin. Mais ouais stylé bravo. Joli. Allez. Yay pas mal. Voilà. Ça fait toujours un billet de plus. C'est tout pour moi. Et encore on n'a pas fait d'épave hein. Bon, la balle est moche. Général, elle régale. Voilà. Ça c'était pour la poiscaille. En sachant que j'ai rien pêché quoi. Genre dans l'eau, il y en a quelques-uns vite fait, c'est moi, genre 3, je crois. Oh putain, ils l'ont achevé le boss. Bah, en même temps, on l'avait bien entamé. Ouais, c'est pas faux. Je veux dire, il est où le prochain avant-poste? Devant nous. À plein d'air. Ouais, on a encore fait aucune forteresse sous l'océan là. Sous l'océan. Faut qu'on en massacre 30 000 des trucs comme ça là. Pour avoir les sucés.
provisions vendues à l'appel du chasseur. D'accord. Ah ouais, donc en plus de ça, faut qu'on lui vende du poisson, pareil, pour faire des jalons. En fait, c'est encore comment faire des réputations dans des réputations, quoi. On fait des jalons... voilà, et le baron est sur le quai, juste devant, à gauche. Mais du coup, est-ce que tu t'occupes de ta voile? Est-ce qu'elle est tout le temps dans le vent? Oh, hein? Non. Je suis pas seul à être là, Michel, hein. Ah mais moi je m'occupe de la voile de derrière, après vous la voile de devant c'est vous de vous en occuper, hein. Ouais, si vous voulez pas vous en occuper vous la mettez en haut. Je pars dans 10 minutes au boulot donc je vous laisse gérer en fait. Je suis juste passé vite fait parce que j'ai entendu qu'il y avait des embrouilles, j'ai entendu de la zik. Mais moi je suis en train de me préparer pour me tirer, hein, donc navrer les poulets mais vous êtes sous l'occu. Mais normalement pour vendre ça devrait aller, hein. Vous devriez arriver à soulever des caisses, non? Bon je préférerais soulever Sachi mais ouais on va soulever des caisses. Ah, tu peux soulever ta chine, mais t'es un peu loin, hein. Ta gueule, toi, va chier. Connard. Moi, je préfère soulever des caisses, hein. Espèce de fils de pute, va. Ah, je peux soulever sa chine avec des caisses, hein. Enfin, et en faire des caisses. Ouais, on va faire juste soulever des caisses, quoi. Parce que c'est pas un mec, hein. T'as quand même remarqué que c'était une gonzesse. Même si au début, je l'ai pris pour toi, hein, parce qu'avec sa voix du matin, on aurait dit un bonhomme. Et je vous pisse à l'arrêt, d'accord? Bien gentiment. Encre, encre, encre. On parle pas la bouche pleine. Du coup, elle a la bouche pleine. Là, tu me dis encre, je suis en train de boire mon jus d'orange. Ah, qu'est-ce que j'en sais ce que tu fais? Moi, je suis pas avec toi, je suis pas derrière. Ah, bah, le ce nez sur le. Sur le bout du bateau, en train de regarder le machin, à rien foutre. Bah voilà, à rien foutre, comme d'hab. Ah si, j'étais en train d'avaler. Titre. Ouais, je sais. C'est un peu gros celui-là. Bon, on va commencer à sortir le tas de merde. Oh super. Oh putain, on a besoin de deux clés cendrées. Ah ouais, attends, essaye de les mettre. Essaye de les mettre. Alors attends. Sur le bout du pont, j'ai essayé l'autre jour, non, c'est passé à la flotte. Ici là. Je vais essayer un truc. Allez. Ah, il va les harponner depuis le top. T'as un génie, Mamen. Mamen. Ça fait longtemps que j'avais pas entendu ça, Mamen. Et comme ça, t'as plus qu'à les. Oui, ou tu pouvais même les lâcher directement dans le truc, mais oui. Mais oui, mon gars, sûr. Comment est positionnée géographiquement et politiquement cette cravate? Cette cravate? Ouais. Oh, tu dois être magnifique avec une cravate. Oh, pas vraiment. Non, je suis vraiment magnifique à quatre pattes, m'a dit À quatre pattes avec une cravate? M'a dit Bardi. À quatre pattes tout court. Putain, mais je pouvais la chercher, la caisse de boulet qu'on avait besoin de tout à l'heure. Elle était dans les coffres. Je peux pas la choper. Tu peux choper quand je sors direct ou pas? Attends, non, ça on s'en fout. Attends, non, je suis pas encore arrivé. Y'a le mât qui gêne. Voilà. Bah sinon tu les poses direct, hein, parce que moi ça me fait bugger. Encore, hein. Ah.
M'étonnerait que ça se vende ou ça, mais sait-on jamais. Non, ça se vend pas. Donc il y a... Oh putain. Il y a deux coffres cendrés, c'est ça? Donc il faut deux clés cendrées. Le bidule rouge qui brille sur le pont, tu le prends pas? Hein? C'est un... C'est le truc de quête. Normalement, je t'ai tout sorti. Bon, je vais chercher les clés. Non, en vrai, c'est bon. Ouais, mais ça, c'est de la couture de wesh. J'en fous. Putain, shit talk. Vraiment. Il braille l'autre? Je sais pas, son chinois il pédale pas assez vite apparemment. Ouais, ouais, ouais. Chinois ils savent pas faire des coutures. J'ai un pantalon neuf, ils ont cousu la poche dans la poche. Ils ont cousu dans la poche. Ils ont cousu la poche à la poche. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait. Oui, mais à... t'as qu'un petit point. Non, 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 j'ai vraiment un gros point de couture. Genre en fait, c'est le bout de ma poche d'ailleurs est aéré. Puisque maintenant je viens de séparer. La pointe de... d'elle-même, on va dire, en gros. D'accord. Non, non, tu peux vendre le coffre. Le milieu, hein. J'avais le milieu de ma poche cousu avec l'extrémité de ma poche. Super. Ah, d'accord. Uniquement à droite, pas à gauche. Ah, c'est des mecs de droite, ça, je reconnais. Ah, c'est... C'est des gars sûrs, hein. D'ailleurs, ce qui est formidable aussi, c'est que vu que c'est chinois, bah, c'est pas exactement la même taille de pantalon que l'autre que j'ai acheté en même temps, qui sont affichés à la même taille tous les deux. C'est pas grave. C'est pas grave. T'inquiète, y'a pas besoin que ce soit chinois pour que ce soit pas à la même taille, hein. Oh, si, en général, si. Ouf, ouais, moi, tu regardes mes pantalons, je suis entre du 38 et du 46, hein. Ouais, mais ouais. Tes pantalons, ils sont tous chinois. Pas tous. Ou alors, ils sont ricains. J'en ai deux ricains. Et j'en ai quelques-uns... qui viennent de je sais pas où, d'ailleurs. Mais qui sont pas chinois, sûr. Ah, donc genre ils sont Bangladesh ou une merde comme ça, quoi. Ou probable. Mais enfin, en gros, tu regardes les tailles, je fais du 38 au 46, c'est tout à fait logique. Oui, oui. 38 à 46, ouais, bah c'est. Alors après, ça dépend si t'ont mis des tailles en français ou pas. J'ai que les tailles en français. Toutes les tailles que je te donne là entre 36 et 40, entre 38 et 46, c'est que des tailles françaises. Ah, ouais, non, mais là, cette taille, ils se foutent de ta gueule, quoi. Ouais, ah, ça... je t'avoue que le dernier que j'ai acheté, je me suis dit, bon, petit 42, je rentre le 42, ah bah ça rentre pas. Bon, bah 44, ah 44 ça rentre pas non plus. Bon, bah 46, hein. Ah, mon bah, pauvre 46, petit cœur, il a pris cher. Plus, hein. Bon, bah, on va ah, c'est 46, hein. Ça rentre, hein. Mais bon, ça fait mal à ton petit cœur quand tu te dis que tu fais du 40 et que t'es obligé d'acheter un jean en 46 parce qu'ils savent pas tailler, ça fait mal. Quand t'es une femme, oui, quand t'es un homme, non. Oui, bah oui, forcément. Quand t'es un homme, déjà, quand tu te rappelles ta taille de pantalon, t'es content. T'en as rien à foutre. Oui, c'est j'ai remarqué ça chez les hommes. Là. C'est, j'essaye, si ça rentre, ça rentre. Si c'est trop petit, je prends plus grand et inversement. C'est ça, c'est. Alors, chaque année, je suis obligé de racheter des pompes et compagnie. Et à chaque fois, je suis obligé de me dire alors, attends, je fais quoi en tour de colle? Je fais quoi en taille de pompe? Je sais jamais ce que je fais. Voilà. Et donc j'en profite à dire à YouTube pour ceux qui parleraient avec des féministes que c'est la preuve que on en a. Enfin, en ce moment il se dit qu'on objectise les femmes concernant leur poitrine sur la plage, machin, tout ça, blabla. Mais néanmoins, l'histoire de taille de fut, c'est vraiment un truc bien féminin. Genre nous, on s'en bat les couilles. C'est vraiment. J'espère qu'on est bien d'accord pour dire que c'est pas forcément l'homme qui objectise les femmes, mais qu'ils le font elles-mêmes quand même. Vous faites très bien vos propres codes sociaux. Putain ! Voilà. Ah, ça m'énerve. C'était mon coup de gueule, ton tube, hein. Parce que j'en ai marre d'entendre que c'est toujours de la faute de l'homme, blanc en plus, de préférence. De préférence, sinon c'est pas aussi drôle. Heureusement que je suis orange, je suis pas concerné. C'est bon, vous avez tout vendu ? Ah bah ouais, ça y est, vendu, quitté, moi pareil, je vais aller chez moi. Il a pas annulé la quête, l'autre patate. Hein? Le caillou, non, il se vend pas le caillou rouge sur le bateau. Non, le caillou, il se vend pas. La déception. On aura quand même entendu Pardy à la fin, au bout d'une heure. Il nous aura bien méprisé tout le long, bravo. Bravo Pardy. Ouais, bah allez, Magigo. Pardy. Bah j'ai d'agneau, hein, des bisous ton tube. Des bisous.